Bonjour, bienvenue sur Bonin Prof TV et dans la 10e émission de Questions pour un confiné. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai repris la guitare, alors ça fait que quelques mois, soyez indulgents, et on va tenter un petit quiz musical, donc des morceaux à retrouver. On commence. Alors, ce morceau de hard rock des années 80. Une intro quand même pas très facile. C'est Back in Black d'AC/DC. On continue. Morceau d'un groupe français fin des années 70. Téléphone Flipper. Morceau d'une femme, le morceau veut bien dire son style de musique des années 80. Elle s'appelle Joan Jett et c'était donc I Love Rock'n'Roll. Un des riffs les plus connus. Donc, riff du hard rock le plus connu, des années là aussi, début des années 70, c'est du Deep Purple, Smoke on the Water. Après. Je chanterai pour la suite. Hein, je pense chanteur français à grand succès, hein, peut-être le plus connu des Français au niveau des tubes qu'il a réalisés, c'est Jean-Jacques Goldman avec Quand la musique est bonne. On continue. Là aussi, star internationale, un riff très connu sur un de ses morceaux. Et on retrouve Michael Jackson avec Beat It. Après. Là aussi, un riff de guitare de Keith Richards, très connu, des années 60. Morceau très entraînant. Jumping Jack Flash, des Stones. On avance. Un petit réglage. Thank you.
Bah, qui dit Rolling Stone dit après leurs amis les Beatles, hein, pareil, un morceau des années 60, hein, c'est Day Tripper, donc des Beatles. Avant-dernier morceau. Ah, attendez. Après un petit démarrage un peu raté, j'espère que vous avez reconnu, là aussi, morceau des frères Sirkis des années 80-90, c'est un morceau d'Indochine, L'Aventurier. Et notre dernier morceau. Là aussi, très vieux morceau, hein, des années 60, hein, généralement au moment de Noël. Alors ce n'est pas Petit Papa Noël, hein, c'est de Jacques Dutronc, la fille du Père Noël. Voilà, hein, cette 10e émission de Questions pour un confiné est terminée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Baudin Prof TV, à liker la chaîne, à partager, etc. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.